Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on est lundi, on est le 30 novembre. Avec beaucoup de retard, on va parler l'astro de la semaine pour vous, mesdames. Le businesswoman du club de Elle se réalise. Alors, beaucoup de retard, il est 19h15. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est lundi, c'est le 30 novembre et j'ai 47 ans. Et aujourd'hui, j'ai fait l'école buissonnière, je me suis baladée, j'ai été partout. J'ai été sur Marmande, j'étais dans le sud Gironde, j'étais ici et ça m'a fait du bien. En plus, il faisait beau, il faisait froid, un temps comme je les aime. Donc là, c'était la petite pause syndicale. Bah ouais, il n'y a pas de convention collective chez les médiums, mais moi, je me l'invente. Et les jours d'anniversaire, c'est des jours fériés. Mais on n'oublie pas, on est là aussi pour parler de quoi? Aujourd'hui, on est là pour parler du 30 novembre, pas que de mes 47 ans, mais pour parler de cette magnifique pleine lune. Cette pleine lune, elle est importante. Faites-vous confiance, cette pleine lune, elle va dépoter, elle va dégager. Cette pleine lune, elle rentre dans le signe du Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire attention, il va falloir vous lâcher et il va falloir surtout faire attention à votre intuition. Ça va être très, très important. Elle va vous aider, cette pleine lune, à réfléchir au moins sur les 6 prochains mois. Donc, tout ce que vous allez mettre là, par écrit, vos envies, vos contrats, vos projets vont prendre forme. Et ça, j'en parle souvent vers juin et juillet. Donc voilà, cette pleine lune, elle est vraiment importante. Elle a une bonne influence. Ça risque de durer à peu près 2 semaines, mais plutôt assez intéressant. Vous allez aussi mettre le holà sur des gens qui vous polluent et vous allez oser faire plein de choses. Donc cette pleine lune, on va garder que le côté extra méga positif. Ok, allez, on continue.